Choose your character! Oh, bonjour à toutes et à tous, bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 22, et peut-être même le dernier épisode, sûrement même, sur The Saboteur. Alors, la dernière fois, on se rappelle, on a été jusqu'en Allemagne, à l'usine où on avait, Dirker avait... séquestré Sean et son copain Jules, qu'il avait tué Jules, pour sauver Kessler et sa fille qu'on a sauvé, mais malheureusement Dirker est à la tour Eiffel parce qu'il y a Paris qui se soulève et on doit aller jusqu'à la tour Eiffel pour se venger. C'est parti, j'espère qu'en tout cas ce jeu vous aura plu, parce que c'est bientôt la fin, faut que je te dise. Alors profitez-en. À propos de Jules, pas besoin de le dire. Je vois le visage de ton frère à chaque fois que je ferme les yeux. Je vois son sang sur mes mains. Et je sais que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Arrête, Sean! Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Jules était un type bien. Bah. Mais ce n'est qu'une vie, un meurtre parmi des millions d'autres. Il ne s'agit plus de mon frère maintenant. Mais... c'est quelque chose qui nous dépasse, toi et moi. Tu peux comprendre. Merci. Ça. Ouais. Je sais plus trop où j'en suis. Allez, on se barre. Attends, je voulais juste détruire ça au passage. Allez. Oh, Véronique, mais t'as mis une superbe... attends, t'as mis une tenue de pilote aussi, non? Attends, j'ai un problème de vue. Ah non, non, c'est moi qui ai un problème. Ouh là là. Et pendant un moment, j'avais cru qu'elle avait mis une tenue un peu moulante comme Sean quand il était pilote. J'ai... waouh, Snake, tu bugs des fois. Snake, il va pas bien dans sa tête, hein. Bon, allez, on va peut-être passer le moment pour aller jusque là-bas. Ou quoi que non, vu que c'est la fin, de toute façon c'est le dernier épisode, on va en profiter. Voilà, regardez les avions et tout, Paris et tout, ça va être le bordel. On va pouvoir passer, on pourra passer ou pas? Oula, regardez, moi c'est le bordel à Paris. On va rester là, parce que c'est bien, on peut regarder. Ouais, on peut pas, on a plus le droit de rentrer à Paris, mais ils ont pas mis sur la carte, ils ont pu mettre que c'est un petit losange rouge. Oh, comment elle a dit ça, marrant. Voilà, il y avait les mecs de la licence. Hop là, oula, oui, c'est vraiment la guerre de chez la guerre, là, vraiment. Ok, c'est le bordel le plus total. Oh bah, ils ont mis du temps pour mettre l'alerte, par contre. Mais on va pouvoir écraser quelques Zina au passage. Merde, j'ai monté. C'est vraiment la merde. Ah bah tiens, la statue, elle a bien été pétée. Et hop là. Putain, comme elle a sauté du véhicule alors qu'on est en train de se faire se tirer dessus par derrière. Putain, c'est la guerre. Un soulèvement. Ah oui. C'était l'objectif de Luc. Pour aider les habitants de cette ville à trouver le courage de riposter. La résistance ne fait pas le poids face aux nazis. Elle se fera massacrer si elle se bat comme ça. Elle n'a plus de chef. Bien sûr que si, elle a un chef. Juste en face de moi. Mais... je ne sais pas si... oh, c'est bon, on a vu que tu étais si assez badass pour ça, hein. Dans l'épisode précédemment. De toi, Véronique. Elle a défoncé l'usine de terreur. Laisse-moi dire que... oh, t'inquiète pas, Sean. Je pensais qu'on aurait plus de temps. Je voulais te dire que... tu me le diras plus tard. Que je veux qu'on reste amis. Je te vois comme un frère. Putain, je le vois tellement bien en combinaison, ça. Ah putain, c'est mon truc, c'est mon quotidien, ça. Attendez, il y a un petit truc à détruire juste à côté là. C'est quoi? Oh bah oui, bon, le torrent. Attends, excusez-moi. Je veux juste savoir si je peux gruger le jeu. Ça m'étonnerait. Le jeu, là, il a dit, allez, c'est la fin. On gruge plus le jeu. Parce que. En plus, il est dans sa tourelle, lui. Oh, hey, oh. Bon. Je pense pas que ça va marcher, les gens, mais c'était juste pour savoir si je peux. Ah, attendez, excusez-moi, je regarde juste. Ah oui, tu peux même aller là, prendre un truc de cachette et retirer l'alarme. Attends, c'est pas possible. Et monsieur, restez pas là, ça va exploser. Monsieur, c'était un fantôme!
Putain, c'était un homme que les Zina ont tué, il voulait se venger, il voulait me voir mettre accomplir sa vengeance et mettre le truc sur l'explosif sur le machin. Bon, on va pas aller jusque là-bas quand même non plus, c'est pas, faut pas abuser. Et c'est parti pour aller. Ouh là là. Ah oui, un zeppelin carrément qui s'est écrasé ici quoi. Alors, il y a un petit truc là. C'est une dîne. Ah oui, une petite carte postale. Je vois qu'on peut grimper là apparemment aussi. On va essayer de grimper pour voir si on peut pas avoir une meilleure vue. Ah merde. Attends, c'est possible, s'il y a un truc ici, ça veut dire qu'on peut grimper normalement. Ah voilà. Toujours faire gaffe aux petites loupiottes jaunes. Ça te permet de savoir où tu peux grimper. T'es pas monté là? Ah, voilà. Oh là là, il n'y a pas de musique, c'est l'ambiance délétère la plus totale. Là, ok. Non, 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 non. Ouh là 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 là, c'était chaud. Ok, d'accord. Alors attends, Snake, réfléchis, faut que tu vas où maintenant? Parce que je monte, je vais où? Je vais où? Moi, être perdu là. Je vais où après? Mais que tu veux que je fasse ici, moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attendez, il y a un truc à faire, sûrement, mais. Ouais, aïe, aïe. Bon bah c'est pas grave. Bon bah en fait, ah d'accord, il fallait passer de ce côté là pour pas. Bon, c'est pas grave. C'est dès que ton effet de monter là-haut voir un meilleur point de vue, ça fonctionnera pas. Ça met 30 piges. Tu vas pas y arriver. Laisse tomber. Vas-y à patte, c'est plus chiant même. Ah, ça tire, mais je vois pas ça tirer. Ah, ça doit être d'en haut. Eh ben écoutez, la dernière fois on a monté dans la tour Eiffel et là on remonte à la tour Eiffel. C'est magnifique. Ah, oh là là. C'est parti, on prend l'ascenseur. Ah, j'ai pas de. Ah, par contre. Ah merde. J'ai pas ma Vesper avec moi. Je pourrais pas les tuer discrètement. Ah merde. Ah, le jeu il est malin. Ah, par contre, bon, le jeu il est malin, mais il laisse quand même en grand ouvert l'ascenseur. Il tue tout le monde. Bonjour. Ah oui. Bon, mais en fait, j'avais pas besoin d'avoir peur. Il y avait encore des. J'ai raté la fête. Oui, bon, ça va. Il y en a encore. Je vais taper, voilà ça. D'accord. Bon, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour les Zina qui traînent. Hein. Apparemment, tout le monde, il les a tous tués. Mais non. Ah. Putain, j'ai réussi à passer à la porte. Bon, par contre, ça peut être très sécuritaire, les gars, quand même. Laisser ouvert en grand l'ascenseur. Je ne pense pas que vous faites ça pour les touristes en vrai, hein. Parce qu'il y aurait sûrement beaucoup de touristes meurs tombés. Ok, d'accord. Alors là, il faut remonter en haut. C'est ici. Oh putain, j'ai trouvé direct. Okay, là, d'accord. Je vous en supplie. Oh. Oula. Oh mais non, mais je voulais te tuer, mais non, mais je voulais. Ah bah attends, pistolet 44. Hop là. Voilà, un petit pistolet. Il est en haut. D'accord, il est en haut. Allez, toi aussi. Oh putain, j'ai. Oh ouais, super patate, allez. Allez, à la fin, on se fait tous à la main, voilà. Il est en haut, j'aime bien. Il croyait que j'allais le laisser en vie, les gars. Ah, mais le monsieur, il s'est relevé, il est parti. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà, petit coup de dague dans le cucu. Par contre, il y a un truc. Ah, c'est en haut. C'est en haut le point blanc. Ah, bon sang. C'est la morgue ici. Ah! Ah oui! Ah bah oui! Bon, je vais pas dire que bon. Je vais pas dire que je suis triste pour eux, mais bon. J'aurais bien voulu les prendre moi-même. Oh le sadique! Attends, je reçois des messages, excusez-moi si en fond vous entendez mon portable qui fait des bruits.
Bon, on a mis un petit costume, voilà, pour Dirker, un petit costume moulant en cuir qui va aimer juste avant qu'on lui mette une balle dans la gueule avec un putain de pistolet 44. Bon, bah, pour une fin, elle n'est pas action, hein, je suis désolé, mais bon, là, c'est la fin. C'est le bordel à Paris. Ah oui, il est complètement bourré, quoi. En échouant, tu m'as fait échouer. En te déshonorant, tu m'as déshonoré. Ton châtiment sera la mort. Ça, j'allais dire la même chose pour toi, Dirker, tu vois. Avec mon petit costume. C'est pas ton jour. Vous êtes le seul à vous être échappé. C'est le destin qui vous a mené à moi. Je ne discuterai pas de ça. Un jour, l'histoire nous remerciera de ce que nous avons fait. Retenir les hordes de dégénérés pendant que votre peuple tremblait dans notre ombre. Vous ne pouvez pas comprendre le fardeau que représente mon devoir. Te tuer ne me rendra jamais ce que j'ai perdu. Mes amis resteront morts. Et je devrai toujours vivre avec les choses que j'ai faites. Arrêtez, Ocean. C'est pour ça que vous êtes là. Vous pensiez qu'en me tuant, vous laveriez le sang que vous avez sur les mains. C'est tragique. Nous allons en enfer, n'est-ce pas, l'Irlandais? Peut-être. Mais tu passes le premier. Et même que tu veux, tu vas avoir mal au premier. Oh putain! Vous avez perdu votre sang-froid. Allez hop dans la gueule, allez salut, ça dégage. Attends, j'avais pas besoin de prendre ce pistolet là. Mais bon écoute, je n'en avais déjà dans la poche. Alors à savoir que si vous tirez pas, il tombe tout seul, hein. Il se jette tout seul du haut de la tour Eiffel. Et paf. Waouh. Son sang immaculé rouge rend la couleur à Paris. Ça va, il est pas tombé si bas que ça. J'aurais bien voulu qu'il tombe vraiment en bas de la tour Eiffel. Moi j'aurais préféré ne pas tirer parce que c'est plus marrant. Il est encore c'est en vie fini. Pendant qu'il tombe et du coup il a encore la peur qui se suscite dessus pendant non, qu'il tombe. C'est pas fini. À la guerre n'est toujours pas fini. Ça ne fait que il reste commencer. Encore un petit moustachu, Zina. Ah ça c'est stylé. Mais bon, il va se le faire lui-même. Ah et voilà, c'est la fin de ce saboteur avec une musique qui va pas être content YouTube du tout. Elle va dire, hey, t'as pas le droit à l'auteur toi. Yo. Ah, Paris a retrouvé sa couleur, nous avons enfin pu défoncer et se venger de Dirker. Jules, de là où il nous voit, il dit bravo, tu lui as bien tiré dans la gueule, t'as bien visé pour une fois. Même si je préfère la fin où je n'ai pas besoin de lui tirer dans la tête, il tombe tout seul. Parce que je pense que, comme il a envie, tout le long de sa chute, il va se chier dessus jusqu'à tomber en bas. Et quand il va se fracasser, ça va encore plus mal qu'une balle dans le crâne, je pense. Ça va être moins rapide, c'est ça qui est bien. Bon bah écoutez, franchement, ce fut court, mais c'est bon, on savait que c'était la fin. Je sais pas si vous attendez une fin comme ça. Moi, la première fois que j'ai joué, je m'attendais pas à une fin comme ça, parce que bon... Elle a eu pas mal de épicness au début, voilà, c'était de Zina et tout ça, et on se dit peut-être qu'à la fin, ben, comme c'est Dirker, il va être encerclé par une armée de Zina de la terreur. Il y aura des chars, des tanks et tout qu'on devrait essayer de passer. Mais non, le mec, il a vu qu'il avait perdu, là, il était en train de perdre la guerre, il était en train de perdre Paris. Et du coup, ben, il a tué tout le monde. Et tout le monde s'est un peu tué aussi. C'était le désespoir, du coup, ben, il nous attendait en haut de la tour Eiffel pour se tuer, quoi. Tout simplement. Moi ça m'a un peu surpris quand même. Écoutez, j'espère en tout cas ce let's play sur The Saboteur vous aura plu. Franchement, un jeu super super sympa. Et en plus il est toujours fun à rejouer même des années après quoi. Il est sorti en 2009 le jeu. Et franchement il est plutôt pas mal. Bon c'est un jeu PS3, des fois c'est pas très joli. Même si les cinématiques comme on a vu là, quand c'est pas en plein au cœur du jeu,
Elles sont plutôt jolies, franchement, faut l'avouer, c'est plutôt joli. Et bon, le jeu des fois est pas très joli, il y a quelques petits légers bugs. Mais bon, c'est toujours marrant de gruger le jeu en prenant un costume de Zina alors que normalement tu devrais te faire repérer et que tu fais pas repérer à cause de ça. C'est super sympa. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce jeu? Voilà, est toujours aussi fun. Et en plus, t'as plein de trucs à faire. T'as plein de trucs à détruire. T'as les musiques du jeu qui sont super sympas. Bon, même s'il devrait y en avoir un petit peu plus, je l'avoue. Mais c'est des musiques, au moins celles qui y sont, elles sont efficaces, on va dire. Il y en a peu, mais elles sont efficaces. Plein de trucs à découvrir, plein de trucs à aller. Le monde ouvert est vraiment grand. On n'a pas été partout dans Paris. On n'a pas été partout dans Paris, mais on n'a pas été partout aux alentours de Paris. On n'a pas été vraiment en Allemagne, là aussi. Où on pouvait faire pas mal de choses. Bon, après, l'Allemagne, je l'ai un peu montré dans mes vidéos sur le trophée de platine. Mais franchement, il y a plein de choses à faire dans ce jeu, ce qui est bien. Donc vous vous ennuyez jamais. Peut-être un petit peu. Il y en a peut-être qui vont dire il y a un petit peu trop de trucs à faire quand même, Snake. C'est un petit peu abusé, certes. Mais après, vaut mieux beaucoup de choses, trop de choses, que pas assez. Que tu fais 2-3 trucs et c'est bon. Les quêtes annexes sont assez sympathiques. Il y en a franchement qui sont bien à faire parce que tu remets la couleur dans certains endroits de Paris et des fois c'était assez chaud à faire. Des putains de missions annexes que j'ai fait en off qui étaient assez dures. Après bon, t'en as qui sont un peu anecdotiques. Mais franchement le jeu est sympa. Bon, la synchro labiale, comme l'a fait remarquer Katz, n'est pas toujours là, c'est vrai. Mais après on a des putains de combien de doublages français de la mort, mais qui tue, qui franchement qui défonce sa mère et c'est trop bien. Même s'il y a certaines voix qui ne collent pas à la tête du perso, c'est un putain de combien de doublages super bon. Du coup bah tu prends plaisir quand même à écouter. Voilà, le jeu est fun, le jeu est sympa. Je pense pas qu'un jeu le remake, franchement. J'adorerais qu'il le remake ou qu'il le remaster. Bon, je préfère un remake qu'un remaster parce que il referait peut-être un remake avec ou des points négatifs du jeu, ils arriveraient à le rendre un peu plus négatif, enfin à retirer un peu quelques points négatifs du jeu. Mais je pense pas parce que déjà premièrement ça parle de la Seconde Guerre mondiale et ça parle de Zina. Et YouTube, maintenant, à notre époque, on peut plus vraiment parler de ça. Un peu le cancel culture, j'ai l'impression. Tu peux plus vraiment parler de ça. Tu peux plus vraiment avoir de la autant de violence que ça, détruire des trucs comme ça. Du coup, je pense pas. Ça m'étonnerait. Après, on sait jamais. Ils ont fait un remake de Destroy Allumen, ce que j'aurais jamais cru qu'ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. On sait jamais. Peut-être qu'il y aura un Zoo Saboteur remake. Ça m'étonnerait. Mais on sait jamais. Voilà, et ben écoutez, j'espère qu'en tout cas ce let's play vous aura plu. Je l'ai trouvé super fun à faire. Il y a eu plein d'épisodes, franchement les 6 épisodes n'ont pas été trop mal. Bon, il y a certains épisodes j'ai fait de la merde. Ça c'est, si vous êtes habitué sur la chaîne, c'est normal. Avec moi surtout, avec tous mes fails. Mais après il y a des trucs qui sont assez bien faits avec la discrétion et tout ça. Les bonus à voir, j'ai pas pu faire de destruction de pont ferroviaire et ça me déçoit un peu. Je pensais avoir plus de temps de ça de le faire. Eh ben écoutez, voilà, c'était The Saboteur. On se retrouve en haut de Paris, de la Tour Eiffel. Regardez-moi cette texture de très loin, mais bon, texture quand même. Avec Véronique. Et on peut prendre le pistolet de bourreau de Dirker en plus. C'est mieux. Ah, regardez, on a le pistolet de Dirker avec nous. Il est automatique en plus. Voilà, il a même le mec là. Elle est avec nous. Tes motivations ne sont peut-être pas des plus louables, mais la cause apprécie. Ah, t'as déjà dit ça, Véronique. Eh bien, écoutez, on va se terminer sur un petit tour de la Tour Eiffel. Voilà, avec un costume de la Gestapo. C'est un costume tout de cuir vêtu. En tout cas, j'espère encore, je le redis, je me répète, mais j'aime bien le redire. J'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. À partager, à en parler à vos amis, à tout ça. À dire ouais, franchement, il y a un jeu, ce saboteur, il est cool. Regarde Snake5130, il a fait une vidéo dessus. Franchement, c'était plutôt pas mal. Voilà, de mettre un petit pouce bleu. Ah, attends, parce que le truc blanc, il est tout en haut ou pas? Je crois qu'il est en haut. De mettre un petit pouce bleu. Appuyez sur la cloche pour rien louper des prochaines vidéos sur la chaîne. Et je vous le dis tout de suite, ouais, c'était là. Je vous le dis tout de suite, le prochain let's play, bon il sera pas encore tout de suite parce que j'aime bien laisser un petit temps de. Un petit laps de temps entre chaque let's play. Mais il sera encore sur un jeu sur PS3 et un jeu fun aussi à jouer.
Oui, j'aime bien, j'aime bien faire les jeux fun. Ah oui, alors, pour ceux qui auraient peut-être vu ma vidéo sur le trophée de platine, il y a un trophée de platine à voir ici. Je ne l'aurai jamais, mais on va tenter. Bon, en tout cas, oh, il y a toujours une quête annexe de fête. Eh ben écoutez, on se retrouve peut-être qu'un jour, je ferai peut-être une vidéo, voilà. Petite quête annexe sur ça, faire les courses. Et pour ferroviaire, ouais, pourquoi pas. Bon, je sais que le let's play est fini, mais je pourrais peut-être faire une vidéo si ça vous plaît. Moi, franchement, ça me pourrait être le faire. Voilà, mettez un petit pouce bleu, j'ai déjà dit, appuyez sur la cloche, et salut tout le monde, et portez-vous bien. Je vais sûrement crever parce que je vais pas du tout toucher l'eau. Si, oui. Ouais, j'ai réussi alors que dans mon trophée de platine, j'ai mis 30 plombes à le faire. J'ai jamais réussi. Oh bah, je suis content de moi. Voilà, ouais. Hop là. Waouh, il y a plein de trucs ici à détruire. Putain, je suis tombé sur là où il y a plein de trucs à détruire. J'ai envie de finir sur ça. J'ai envie de finir sur... Déjà ça. Hop là, allez! C'est parti mon kiki! Hop là, attendez, c'est qui me tire dessus là de si loin? Attendez, oh là 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 là, ça va pas là. Je vais pas crever comme ça pour la fin de ce let's play. Il y a des trucs, hop là. Alors déjà, on met, hop là, un petit truc ici, un petit RDX ici, un petit RDX là, un petit RDX là. Hop là. Ouh, ah oui, il y a le char qui va exploser. Il a évoqué, d'accord. Ah oui, d'accord. Merde, j'ai failli faire une fin de let's play sans fail. Mais pourquoi j'ai essayé? Pourquoi? Je suis qu'une merde. Bon bah ça résume. Ça résume. Ça résume bien le voilà, le let's play en général. Snake 530 qui fait des fails. J'en suis désolé. Merde, je voulais finir sur un truc bien. Mettez quand même un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. J'ai déjà dit. Salut tout le monde. Portez-vous bien.